Chaque fois aux élus, on part sur le même départ. Après, c'est jeu d'échecs. J'avance une pièce, il avance une autre. Toujours avoir 7 coups d'avance. Si on a un grand chef aux échecs, d'accord? Un grand maître. Donc, mon bras, un bras au niveau de la tête, un bras au niveau de la ceinture, d'accord? Et éviter droite-gauche, d'accord? Pour éviter de vous tromper. Main au niveau de la tête, sous l'aisselle, et j'attrape. Important, là, je vous montre ici pour bien voir. Mais en réalité, d'accord? Comme on a dit avec Gilles, la pression. Si je reste ici comme ça tranquille, lui il revient, il se relève, voire il fait une roulade ici pour me prendre dans les jambes et attaquer. D'accord? Donc toujours la pression. Je suis ici, comme on a vu au début, je passe d'un côté ou de l'autre, on s'en souvient de faire. Je mets la pression. Là. Ma main, au niveau de la tête, passe sous le bras ici. Là je tire, je mets la pression. Toujours avec mon corps. Voilà. Ici. Mon genou, il vient bloquer sa tête. Levier. J'utilise toujours des leviers. D'accord? Comme ça, je ne le force pas. Ici, là. À partir d'ici, on défait un petit peu. On vient donner à la main. Toujours le petit doigt vers lui. Ici, on fait, voilà, je mets bien l'image de Gilles où on fait le stop. Comme ça ici. Tiens, c'est le petit pouce pour la photo. C'est bon, souris. Ok, hop, on attrape. On tourne, on accentue un petit peu avec le genou ici pour l'enverser. Et on revient sur le saikomi. Toujours même départ, réaction du quai, je suis ici, voilà, à ce moment-là, je tourne ici, je suis en levier, lui essaie de lève son bras, hop, regarde, il me donne, s'il me donne, je prends, levier, important ici, je ne vais pas tourner de suite, toujours je redescends, regardez, mon genou, vu que je suis redescendu, c'est mon coude qui prend la place, la direction, c'est pas vers ses jambes, c'est toujours vers la tête, mes pieds accrochés, je me décale, ici je reviens. Vous ouvrez le cochon et affamé. Au départ, je peux préciser, je fais naturellement ma jambe ici. Si je viens attaquer comme ça, il vient m'enrouler. C'est possible. Après, vous connaissez la suite. On verra après. Donc, ici, mets la pression, je me décale, le changement. D'accord? Là, un genou qui se lève, un genou qui descend. Le... Après, donc, soit position poignet-poignet, soit position ici, avec l'aide de poulet. Il résiste un petit peu plus, partenaire, donc il tend le bras. Il tend le bras, voilà, il résiste. J'arrive pas même en tournant. Deux possibilités, soit je relève, on part diagonale sur Sankaku, comme on a vu à l'instant. Vous connaissez la suite. Soit, ici, il résiste. Je me relève un petit peu plus. Le genou... toujours ici au niveau sous la côte et au niveau de l'épaule et je pars ici en laissant bien, je me suis engagé un petit peu trop mon pied au niveau dans le dos, je serre bien les jambes, là regardez, je relâche, je repasse ici sur le bras, là c'est pas gênant parce que ma jambe elle tient son bras là-bas, je suis pas plié sinon il va venir attraper son bras pour défendre, d'accord, ma jambe elle a un contact, là je serre mes jambes. Les jambes ne sont pas écartées. Après, on part toujours sur les jugis. Je ne pars pas dans l'axe. Si au niveau propriété anatomique, si je pars dans l'axe, il défend avec son biceps. Si je pars sur le côté, il défend avec ses rotateurs. Et c'est un muscle qui est moins puissant. Finition, voilà, vous connaissez, on vous l'a dit. Petit doigt, je lève. Je lève bien. Là, je n'ai pas beaucoup de jeu sur les fixes, sont très souples. Je lève mon bassin, je tire. Si ça passe pas, ça me fait mal ici. Je tourne le poignet sur le côté. Je tourne le poignet sur le côté. Pour ça, je tiens la main. Je suis pas comme ça. Là, sinon, lui, il tourne, il s'enfuit. Lui, il s'enfuit. Ok? Même chose avec la main ici. Et oui, le dernier sur ça. Donc, je suis ici. Il connaît, il sait ce que je vais faire. Il s'inverse, il se met en position geyser. Voilà. Ou alors, c'est moi, j'ai fait le piège, je suis ici. Donc là, pareil, je viens rentrer, attraper son genou et bien me coller à lui. Mon genou dessous dans le petit creux ici. Je me rapproche, comme on avait vu sur les langoustes ou sur les ponts, mes pieds proches de mes fesses pour pouvoir lever. Et c'est pas avec mes bras que je lève, c'est avec mon bassin plus son bras. J'envoie, de suite je remonte, je tiens le contrôle, je reviens sur lui. En kuzure kamisho gatame. D'accord, vu que là j'ai un bras dessous. Je remonte. Donc là, je fais une feinte aussi. Je mange le pied, voilà, direct, mais là, hop, je rentre.
tire. Bien, tire. Là, quand je suis ici, je tire bien. Vas-y, tire. S'il est parti un petit peu trop long, c'est pas grave. J'ai pas forcé trop de bruit. On va partir sur les avant. Ok, tout est lié. À ce niveau-là.